Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4. Donc on nous jouons avec les états papaux. On est toujours en train de se préparer, on va aller mettre sur la gueule de l'Aragon. Mais l'Aragon tout seul, ça va, je vais me faire casser le cul. Il y a 6000 hommes. Combien c'est l'Aragon en armée? Militari, armise, Aragon. Aragon c'est 11000 hommes quand même, putain il a de la manpower derrière. Mais c'est vrai que si j'ai l'Italien, si j'ai Venise qui vient m'aider, enfin pas Venise, mais l'Autriche qui vient m'aider, j'aiderais quoi. On va regarder vite fait, on va attendre la fin de la trousse. La trousse est fera, bon on s'en fout, on est en train de les annexer. Pas de soucis. Alors on attend la fin. L'Ottoman viendra pas si je déclare la guerre à l'Aragon, quoique. T'as qui en rivaux l'Aragon? Et la Castille, Venise et la France. Ouais. Northumberland. Oh putain. Northumberland se fait gober par l'Angleterre. Et la personne se plaint que l'Angleterre en disant « Ah l'autre, il est trop gros !» Si, la Bourgogne le kiffe pas trop. Les... Oh putain, Bourgogne, Écosse. Elle prend coalition contre lui. Hein. Pas fait eu dans l'histoire. C'est inadmissible. J'ai proteste énergiquement. Les messieurs, fais voir. Là, le gobage se tient. Non, le plus beau, c'est déclarer la guerre à la Sardaigne, parce que Sardaigne plus Luca, niveau flotte. Luca. 7 navires. Et la Sardaigne. 5 navires, ça fait 12 navires en tout. Donc c'est vrai que je pense que j'étais plutôt d'abord leur déclarer la guerre à eux. J'attends que l'Aragon se fasse défoncer ou qu'il y ait un truc qui se passe comme ça, voilà. Parce que si je déclarais la guerre, on va rappeler l'autre qui vient de Ulm. Si je lui déclarais la guerre, il viendrait. L'Autriche viendrait. Ah ! Ah ! Ah ! Donc si je déclarais la guerre, si l'Autriche viendrait toujours. On va peut-être appeler l'Autriche, on va faire ça. Ouais, donc ce qu'on va faire en premier lieu. Non, on va on rembourse le crédit le plus cher. On va passer en mode maintenance de l'armée au taquet. L'effort. On est à niveau finance là. Oh putain, à peine. On est bénéficiaire, mais pas beaucoup. On attend que notre armée remonte, ouais, ici, on les démosse ball. Là je pense qu'on va être un petit peu dans le rouge. Non? Bien, on garde tout le monde. Comme ça on déclare paf paf. On fait venir, la... on fait venir, comment il s'appelle? L'Autriche. Ah ça peut le faire. Gop Florence. On laisse l'Autriche se démerder un petit peu. Ouais, ça va, ça me plaît bien comme idée, ça. Ah si. Moins 40 points, ouais, non, on n'aura pas le temps d'en faire un autre. On vérifie. Là-dessus, j'ai bien une claim jusqu'à quand? 1513. On va pouvoir venir. 1503, ouais, ok. L'armée elle est au taquet. Donc combien plus 1,94. 94, combien ça me coûterait un canon en entretien? Non, ouf, ça coûte cher, donc on va rajouter un seul canon. Ouais, honnêtement. On attend qu'il soit ouf, 3 mois comme 4 mois. Bon, non, on va faire diplomatie. On va déclarer la guerre. On va appeler donc l'Autrichien avec nous. On appelle l'Autriche. On dit je veux Abruzzi. C'est quoi la plus.
Abruzzi ou Abruzzi, je dis que je veux. Milan, non. Lance, il a qui en allié? Aragon et Savoie. Non, elle ne va pas inviter tout le monde. Donc, diplomatie. Peut-être la roi. On dit je veux Abruzzi. J'invite l'Autriche. Voilà, ils arrivent. Très bien. Ici, on libère, on laisse. Non, on va essayer 1000 cavaliers. Pour l'armée, on va aller défoncer l'autre pécor là-bas. Mon vassal, on va lui dire viens voir papa, au lieu de faire des conneries. Viens t'attacher à papa. Ah, ici. Un truc, quel niveau? Niveau 3. Oh putain. Donc niveau 3, ça veut dire il me faut 10 000 hommes. Donc premier lieu, on va dégager les cavaliers. Et là, on a... On va attendre un mois. Voilà, on va aller là-bas. Ok. Les cavaliers, on les rattache là-bas. L'armée est arrivée, on fusionne. Eux, on les envoie ici. Naples, c'est quoi? C'est des fermes. Est-ce qu'il y a un maître, l'autre là-bas en général pour faire un piège, ça rien. Voilà, on a coulé un navire, super, on tente de se réparer. Ouf, Stakowicz de son armée, ça putain ce que c'est beau, des collines à Salerne, 24 juin, moi j'arrive quand? Le 25 juin, non on va le laisser venir. Ok, ici mon canon, on l'envoie là-bas. De là, je ressors un fantassin qui est au taquet qu'on renvoie là-bas. Et non, le con, il va défoncer les paysans. Ah, des fois, l'IA, il a un peu du mal. Les forces en présence, il y a quoi? Ah oui, d'accord. Il y a 14 galères. D'accord, j'ai une flotte navale qui est plus puissante que lui. On va péter les murs. Ça, c'est une excellente nouvelle. On rassemble tout. On a y mettre sur la gueule. On a d'hommes là. Florence, 15 d'autonomie locale. Non, non, non. 50 administratif. Oh, c'est trop riche comme province pour ah. L'Autriche qui va arriver. Paf, voilà, hop. L'Autriche, c'est un putain d'allié en fait. Voilà. Je vais les laisser s'amuser. Eux, on va les mettre là-bas pour aider au siège, enfin, pour aider le... Voici le siège. Ici, on prend la moitié qu'on met là-bas.
Ok, eux on les envoie en Calabre. Siège de Pise est terminé. Excellente nouvelle, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, Florence, Porpéas. Ah merde, je peux pas lui prendre les deux. On va lui prendre Pise. En disant je veux toutes tes thunes. Et les réparations de guerre. 24 d'overextension. Avec qui? Florence, on s'en branle. Luca, on s'en branle. Et on s'en branle. Mantoue, on s'en branle. Gênes, on s'en branle. Savoie, on s'en branle. Ah. Is. Encore. Ouais, voilà. On le met directement. Ensuite, ici, avec ça, on va aller se faire Lucania. Non, Cold Zone, machin truc. Voilà. Cette flotte-là, on va la foutre ici, en attendant. Et on va la mettre là-bas, ça se fait un peu d'expérience. On le recall. Florence n'est plus un rival valide, ben, je me doute. Gênes, j'ai pas envie de te taper dessus, mais est-ce que tu m'as mis en rival? Ouais. Hein, qu'on soit pote. Milan serait prêt à rejoindre ma guerre. Comment dire, j'ai pas besoin de toi, Milan. Voilà. Ah. Non, l'Angleterre, il gobe un peu tout le monde. Voilà. On va piller un peu les territoires. Eux, ils vont me soutenir, les gars. Ils vont se mettre où ils veulent. Les galères, ça va pas vite. Hein. Ils galèrent pour me gêner. Ah, je suis con, j'ai pas de passage. Il n'est pas des passages. Et... Et à bout, non, on va plus à l'air. Cogna, ouais. Là, on va prendre le canon quand même, qu'on va envoyer là-bas. Donc, mon canon, il va là-bas. Mon deuxième canon, il va aussi là-bas. Les canons, ils sont là. Non, oh, putain. Le particulariste en cône. C'est où? C'est là-bas, dans les collines. On va leur foutre un leader. Non. Alors. Oh, voyons, ici on rassemble tout et on dégage. Bah, on en connaît également. Lui, on va lui mettre le leader. Berger, ouais, ça me va. Hop. Ça m'arrive. Ah, c'est le boulot, c'est une alerte. Bon, grave, ça attendra demain. Ça va, c'est pour moi ça. Ok, on fait copier. Voilà, il y a les renforts qui sont arrivés, c'est parfait. Ok, ici. L'autre, on la met là-bas. Je vais ce qui traîne là-bas. L'armée, on la laisse se reposer un petit coup. Le siège de Calabre est terminé. La bonne nouvelle. Allez, direction Messine. Croiser ce qui reste en flotte. Ici,
Ma flotte de transport, elle me dit quoi? Elle me dit, oh, on a pris des claques. Oh bien. Eux, ils me disent quoi? Eux, on va leur dire, allez vous réparer les abîmés. Va dans la baie de Naples. Hop, et tous les prêts. Voilà, comme ça on perd des thunes, mais moi. Prends mon argent. Et maintenant, je vois déjà le montant. 11. Ah oui, on a besoin, ouais. Refait notre armée, c'est pour ça. Voilà, on est passé en bénéficiaire. Nickel, en flotte maintenant, ça dit quoi la flotte? D'accord, ils ont plus rien. 9 galères. Rien que moi j'en ai plus, je crois. Non, ok, ici, le navire de transport, par contre, on va le couler. Parce que comment dire? Un peu biqué. Et on va aller commencer à débarquer chez l'autre naze là-bas. Ah, faut que je prenne Malte. Quoi ça? Alliance Breaking. Pourquoi? Bah si. Mais mon pote. Bouge pas, on va améliorer la ration. On va se bouffer un kebab mayo ensemble. Attaque. L'Autriche. On va améliorer les relations. Et Milan va améliorer les relations. Ah oui, il est arrivé là-bas, l'Autrichien. Cool. Et l'autre, il arrive à dire... Oh, c'est... oh merde, j'ai pas vu ça. J'ai pas, qu'il avait... j'ai pas vu qu'il y avait légèrement 19 000 hommes en train de me... d'essayer de me péter la bouche. Là, le port, il est où? Il est là-bas. On est bloqué à 100%. Ah merde, et de... et autrement. Si on faisait la paix, étudions la chose. J'ai pas de diplomate, donc lui d'autant que lui d'ottoman va te faire têter les yeux du con. Ouais, ok, ici. Je voudrais. On va lui prendre Malte. Je veux bien me donner Malte. Ensuite, je voudrais. Je voudrais. Je prendrais bien Barry. Non, Barry, c'est loin. Mais Barry, ça vaut 16, je crois. Développement. Barry, vous savez, est-ce que je peux y prendre Barry? Non, il veut pas. La Barry, il veut pas. Abruzzi. Abruzzi. Abruzzi, développement 13. Non. Oh, c'est. Niqué, mais je vais te niquer sévère, toi. Et c'est la fin de l'épisode. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc je vous dis ben bye bye et donc à demain pour la suite de la série. Allez, ciao les gens, bye.